Petit Wester, comment tu vas? Aujourd'hui, je vais te parler d'un truc un petit peu relou qui arrive quand t'es un gros abruti au CrossFit. Franchement, tu t'es jamais dit que t'allais un petit peu trop loin parfois? Je te l'ai déjà dit une paire de fois, mais moi je m'entraîne en binôme. Et ce qui est sûr, c'est que moi j'aime bien motiver les troupes histoire qu'on performe un peu. Le truc, c'est que comme d'habitude, je sais pas comment arrêter, putain. Résultat, eh ben mes potes ils se blessent. Ah! Et franchement, quand c'est de ta faute, c'est chaud. Tu sais bien que pour moi, le CrossFit, le but, c'est pas de finir carbo à chaque séance. Mais si c'est pour venir faire ton WOD et transpirer autant en mettant ton short que quand tu t'entraînes, soit tu mets beaucoup trop d'entrain quand tu mets ton short, soit tu t'impliques vraiment pas quand t'es en WOD. Et à cause de ça, c'est peut-être possible que je sois pas toujours pédagogue. Vous êtes complètement malade! Et ça donne souvent des trucs un petit peu chelous. Non, je jette pas de kettlebell dans la gueule des gens. Arrête, faut pas déconner quand même. Ça va, fais pas style que tu avais jamais pensé. Moi, je vais jamais gueuler sur quelqu'un qui galère mais qui se la donne à fond. Car comme j'arrête pas de te le dire, on n'est pas tous Matt Fraser. Et heureusement d'ailleurs. Right. Mais si quand on s'entraîne, je te vois glander, je t'avoue que ça me saoule un petit peu. C'est un peu comme si au milieu d'un imam où t'as trois exercices, tu décides de te lever pour aller te moucher le nez, tranquillement, sans courir, histoire de récupérer tranquille et d'esquiver un round ni vu ni connu. Et ouais, même si je suis mort, dans ces moments-là, j'ai l'œil. Et c'est quand même à double tranchant, parce que d'une part ça motive, et non, ça c'est pas moi qui le dis pour la vidéo, c'est les autres. Mais parfois il paraît que je pousse un petit peu trop les gens dans leur retranchement. Et là, il se passe deux trucs. Le premier, eh ben ils veulent plus venir s'entraîner avec moi, ces schlags. Une des plus belles anecdotes que j'ai à raconter, c'est sur une séance de running. Faut que tu saches que depuis que j'ai 16 ans, je cours des distances entre 10 et 15 km assez régulièrement. Ce qui fait que j'ai pas un niveau trop dégueulasse, niveau cardio et niveau vitesse. Donc ? Et j'ai rencontré un collègue qui était chaud pour courir avec moi parce qu'il avait le même niveau que moi. Sauf que je pense qu'à un moment, il croyait que c'était du mytho. Donc on part courir, il veut absolument suivre mon rythme, et ben on est rentré au bout de 7 km parce qu'il était mort. Et il se pourrait que j'ai un petit peu gueulé pendant ce moment-là. Résultat, il a un peu passé son point de non-retour et je suis retourné courir tout seul. Why God, why? Il y a aussi une deuxième anecdote où ma copine refuse catégoriquement de se mettre au CrossFit parce qu'elle a peur que si on s'entraîne ensemble, je fasse que lui gueuler dessus. Alors les gars, je compte sur vous, mettez un petit message en commentaire histoire de la motiver. Bon, et le deuxième truc, eh ben je casse physiquement mes copains. Parce qu'arriver à motiver, c'est bien, mais les pousser jusqu'à temps qu'ils se blessent, c'est vachement plus chiant, on est d'accord. Ça pas un peu con lui. Et je vais pas te mentir, c'est un peu arrivé. Mais quand c'est une vertèbre qui se bloque ou si tu te fais mal un petit peu, c'est pas grave. Mais quand t'es en train de gueuler sur ton pote qui est en train de faire des GHD sit-up et qui se fait une hernie de la ligne blanche, eh ben ça fait chier. Mais ça l'a pas calmé pour autant, hein. Il s'est fait opérer et là on se rentraîne ensemble et je lui regueule dessus. Bref. Bon, avec tout ce que je viens de te raconter, j'espère que t'as quand même encore envie d'essayer de t'entraîner avec moi à l'occasion. Tu peux le dire en commentaire comme ça, on pourra en parler. En attendant, la vidéo, elle est terminée. Si t'es pas un dalleux, laisse un pouce bleu, abonne-toi. Si tu veux rejoindre la team et voir un petit peu plus de l'envers du décor, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et Facebook. Comme d'habitude, les liens, ils sont en description. Je te conseille de t'inscrire sur la newsletter Waste et sur le site Waste aussi. Les liens, ils sont en description. Tu pourrais recevoir assez rapidement une petite surprise. Et nous, on se retrouve chaque mardi et vendredi pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.